un bon retour pour un. Oh là là, je sais même plus combien j'ai fait d'épisodes. Faudra vraiment que je me renseigne un peu, hein, parce que j'en fais et voilà. Alors, on s'approche rapidement de Noël et d'autres séries vont ouvrir. Pourquoi on a choisi Noël? Bah, c'est parce que aussi, on va recevoir un gros pactole de fric. Et ce pactole de fric va être utilisé pour acheter des jeux vidéo. Alors, attendez deux secondes, là, pendant le temps de chargement, je ne parle plus parce que je suis en train de régler un bordel. Voilà, c'est fait. Alors, dans les derniers épisodes, j'ai remarqué que j'étais très crevé. Mais à un point. En plus, quand je l'ai fait, je les ai fait. Bah, j'étais crevé. J'avais les cernes noires. Y a quoi à prendre là-dedans? Niveau 6. Ah, c'est pas aussi bien que le mien. Oui, j'en ai un super bien. C'est où je dois aller déjà? Je me rappelle même plus où j'en étais. Alors M. Ah bah c'est derrière. Ah, cool, deux petits temps de chargement, c'est sympa. Directement. J'aurais dû voir ça avant. Bah c'est bizarre. On s'était pas. Je crois que je me suis gouré de compte, non? C'est votre carte pour rejoindre vos objectifs de. Si j'ai deux persos. Ah c'est l'air con si j'ai pris le mauvais perso, je comprends pas là. J'étais bon la dernière fois, j'ai bien. Ah, faut que je regarde. Ça se trouve, j'ai pris le mauvais perso. Ah, c'est un peu l'air con là. Parce que j'ai fait un deuxième perso avec un ami qui s'appelle Kepos. Que vous ne connaîtrez peut-être pas. Je vous dis son surnom quoi. Donc Kepos qui va faire peut-être des vidéos avec nous, on sait pas trop. Mais ce sera parce que il aime bien tout ce qui est jeux vidéo. Mais faire des vidéos, je sais pas s'il est 100% bon ou pas. En tout cas, on veut lui demander, on veut savoir s'il est d'accord. S'il est d'accord, c'est positif, quoi. J'espère ne pas gourer de compte. Ou je pense que c'est un gros lag parce que la dernière fois, on n'était pas là. J'étais dans une voiture quand j'ai coupé. Ah si, c'est mon compte. Ah, je m'excuse réellement pour les lags. Mon ordinateur a flanché il y a pas longtemps. Mais un petit peu plus flanché que d'habitude, on va dire. Et j'ai demandé à un professionnel de quoi me remettre. Hey, sois pas timide, l'autologue, location d'auto ou quoi? De quoi me remettre un bordel, quoi. Machine gun. On va essayer celle-là. Ici toi. Ça casse-toi ta tapette. Putain, j'essaie de comprendre pourquoi je me suis téléporté là-bas. Arrange la bagnole. Une petite promenade en voiture. Au siège du conducteur. Ah oui, et je tiens à préciser, la dernière fois que j'ai combattu des bandits, c'était pas au même endroit. Je sais même plus où il faut aller. C'était pas au même endroit que la dernière fois en fait. J'étais assez étonné.
Je me disais, oh, on va combattre des bandits, c'est sympa. Mais en fait, c'était pas du tout au même endroit, c'était même très pourri l'endroit. Comment du portail trouvé? Putain. J'aime pas les voitures qui sont pas commandables avec les boutons, c'est avec la souris là. C'est peut-être original, mais c'est vraiment nul. J'aime pas. Ok, c'est l'autre côté, je vois pas du tout où faut aller. Allez, oh là là! Ah, c'est excellent, voiture! Tu peux écraser les ennemis! J'ai les buteurs à coups, excellent! Voilà. Oh putain. J'essaie de me retirer de la voiture sans mourir. Attends. Lui, je peux pas l'écraser? Allez, viens, viens, viens voir papa! De pute! Voilà! C'est fait! Ah, il est même pas mort! Là, il est mort! Comment on fait déjà pour descendre une voiture? Ah, voilà! Baroudeur conduit, pichois sauté, commande du portail trouvé. Commande du portail trouvé. C'est quoi ça? Je ne comprends pas où il faut aller. Elle est immense, la map. Moi aussi. Tant que j'y suis, moi aussi j'ai quelque chose pour toi, tu vas voir. Mauvais bouton. Commence à me faire chier, le mauvais bouton. Mais je crois que les couleurs, ça change niveau rareté du flingue, en fait. Je sais pas. Oh si, j'ai quelque chose pour toi. Ah, ah. Ça tire comment, ça? Oh. Tu veux adorer. Avec du fric. Bon, d'accord, je suis assez content pour le fric, mais... Ou soit faut faire le tour. Peut-être qu'il faut faire le tour. Ah, j'ai encore passé la mort du temps à pas comprendre. Faut faire le tour. Ah oui, je vous avais pas montré, je l'ai passé la piste. Vous avez pas compris comment j'ai fait. Avec ces F. Excellent, tu peux avoir un turbo-réacteur. Non, 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 j'ai fait une connerie, merde. Repoint de départ. On commence. Ouh.
chose, je le sens pas là. Je le sens pas énormément. Ah. 3000 XP. Ah ouais, quand tu fais une chute. Ah non, c'est un défi. Attends, je l'ai réussi le bordel. Un BG. Allez, on recommence. L'avant-poste d'Airfil. A mon avis, je dois ouvrir la porte là. Mais de l'arrière. Zone Skag niveau 9, j'y crois encore. Ah, c'est excellent. Au rapport. C'est toujours au même endroit. J'ai pas envie de me faire buter par des skeps en sortant, ils sont quand même niveau 9. Ah, j'ai mon feu, j'ai mon super fusil à niveau 10. Faire mal. Allez voir, vous me truquez moi. Non, annulé. Bon, et si vous reveniez par ici? Je veux mon missile. J'ai pas encore reçu d'informations très importantes. En tout cas, j'ai pas remarqué d'informations qui parlaient du fait. J'ai un truc chouette. Quand tu prends une arme, elle change à chaque fois. Ça commence à me racler les burns. Truc de merde. Ah, tu crois que je t'avais pas vu, toi, petit coffre magique? Oh, c'est qui veut t'avoir? Oui, coffre magique. Et t'as rien pour moi, sympa. On fout tes copains coffre magique, ils ont du fric. Putain, je suis obligé, Non, c'était pas mon but. Je vais monter dans la voiture, moi. Dans la mitrailleuse. Parce que... conduire une voiture sans pouvoir rouler, c'est rigolo. Allez, au lieu de prendre la porte, on prend l'autre. C'est plus rigolo. C'est là où on meurt. Ouais, tapette. C'est les tapettes qui prennent l'autre porte. Parlez avec Z. Oh pute. On the gamin, ça. Tout. Je suis chez qui, là? Ah! Je suis pas le bienvenu! J'adore ce jeu. C'est de plus en plus rigolo, on a l'impression d'être dans un GTA pratiquement. Non, c'est pas là non plus. Oui, en fait, c'est un autre coin des bandits. Il y a plusieurs coins des bandits. Style les bandits squattent un peu partout, quoi. Il y a deux gentils dans une... Non, il y a trois gentils qui sont paumés dans le trou du cul du monde. Et il y a des bandits partout. Et toi, t'arrives pour les aider. Je sais pas, moi, si j'étais pas obligé, je serais pas mieux les aider. Qu'est-ce qu'il est classe, mon perso, je l'adore. En plus, ma petite arme, là. J'ai l'impression que les armes, ça va du non, blanc, vert, bleu, violet. Et violet, ça commence à être des putains d'armes. Donc, j'ai une putain d'arme. Les ghouls. Vous trouverez un type qui s'appelle Shep, pas du carrefour, sur le chemin de la mine. Sledge a écorché vif toute sa famille. Il a tanné leur peau et ils ont fait une chambre. C'est dur, mais Shep est un brave garçon.
Je trouverais ça bien que vous l'aimiez. Rencontrer Sketch. Bah, tant qu'il me tanne pas, qu'il prend pas ma peau, qu'il tanne pas, qu'il fait pas une machin avec, je suis content. Ouais, j'ai 0 points. Ouais, j'ai bientôt. Cucu, il est bientôt niveau 5. Alors, si vous trouvez que je fais des conneries niveau XP des objets, vous me dites. Vous serez bien content de l'avoir. Ah oui, je fais référence à un truc. Dans l'ancien boss, j'ai oublié un coffre. Mais je sais pas s'il y avait des trucs à l'intérieur. J'y suis allé, c'était un peu de la merde. C'était un coffre qui était derrière le boss. J'avais les boules, je me suis dit merde, il y a un coffre. Je l'ai refait avec un copain et là je vois le coffre, j'étais. Oups. Oups. Grosse connerie, à moi oublié coffre. C'était un Sledge. Détient quelque chose dont nous avons besoin. Tu dois le lui reprendre. Sledge est un homme mauvais. Fais ce qui est juste. Yes. Mourir. Ah ouais, attends ma poupée. Faut que je vois où c'est. Ok. Ouais, on se le fait, allez les mecs. Venez passer sous mes roues. Venez passer sous mes roues. C'est pas rigolo. Ah, là, c'est pas rigolo du tout. J'aime pas ça. Ok, j'ai l'air con. Oui, je sais, j'ai trop l'air con. Je vais devoir. Attention. Ça tape du combien cette arme? Ça fait mal. Très mal. Peut-être que ça te prend une arme comme ça vaut le coup. Dans les couilles. Mort de balle dans les couilles. Mort digne d'un bouffon. Y'a qu'elle vive les bagnoles. Prends-toi-en une. Hé, hey, on y va. Marche sur les cadavres. Ce que j'aime bien dans les RPG, même dans les gros RPG, style. Vu que ça reprend les RPG, ça, c'est tu peux rouler sur les cadavres, ils n'ont pas encore disparu. Alors, Skeg, il est où? On va mourir. Ah. Sketch, la clé de la mine. Lâcher les vents. Désactiver Nain. Tuer Dirax. Puis retourner voir Skeg Sander. XP. Pourquoi je peux pas choisir les. Ah ouais, mais c'est super hein, ma plage, la flemme moi. Déguerpisser les oiseaux de malheur, tuer Dirax. C'est où ça? Ouais, ok, je crois que je vais faire les éoliennes, mais il y aura pas. Je me demande si je peux faire deux quêtes en même temps. Allez, mon bolide, on y va, à deux.
Ok. Mon cucu! Alors, cucu, comment ça va? Ah, je peux les fusiller, c'est excellent! Ouais! Oh! Il a eu mal, hein! Il a eu mal! Pas paniquer. Voilà. Ah, j'adore les voir tomber, c'est excellent. Bon, la quête était plutôt facile, celle-là. Alors là, je trouve que ce sont les oiseaux les plus idiots au monde. Des oiseaux qui viennent se percuter sur ton pare-choc, c'est super sympa. Ça pète à mort. Ah ouais, c'est là-bas. Je vais garer ma bagnole là. Allez, sors de la bagnole. Pourquoi tu sors pas de l'autre côté? Tu fais chier. Ah, ça veut dire que j'ai XP là. M. Ok, d'abord XP. Oiseau. Augmente la vitesse de rechargement de tous les types d'armes. De 8%. Je vois pas trop l'utilité de rechargement. Peut-être, ouais. Lorsque Sanguine frappe un ennemi, vous gagnez en quantité de santé proportionnelle aux dégâts infligés. Ça, c'est sympa, par contre. On va gagner de la vie par rapport aux ennemis. Peut-être mal mettre, mais j'aimerais bien expliquer ça là-bas. Enfoiré! Pourquoi je peux pas choisir les quêtes par rapport à cette tête de cul, là? Lâcher les vents. Ah, petite pause interruption toute petite. Excusez-moi. Avec les petites pauses, je devais faire un truc. En même temps, j'ai recalibré la caméra pour que vous voyez un peu plus. C'est un peu chiant, le calibrage. Poufuck. Putain, c'est loin. Trouver un moyen d'y aller. C'est un gentil le mec là-bas. Ouais, je gagnerai comme XP. Hein. T'aurais pas dû venir ici, tu vas le payer très cher. Allez, viens voir ton préfère. Je pense que je vais nettoyer tout ça là avant d'y aller en maquette. J'ai pas envie de m'arrêter toutes les 3 minutes pour eux.
Attendez les mecs, et les mecs. Bon. Je vais passer en mode Argo. Non, c'était pour me casser là. Ouh, encore. Le carnage. Je vais l'appeler comme ça l'endroit là. Tous butés. Ok. Oh putain, je peux avoir une troisième main. Oh, magnifique. Même si j'ai envie de me mettre ça ici. Là j'ai un sniper violet. Top du 10, du 16. Et c'est une sulfate. Soit je vais me reprendre un sniper après, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que le but c'est de conquérir des zones contrôlées par les bandits un peu. C'est un peu à la. Je sais plus comment. C'est à la Far Cry un peu. Style, on parcourt des zones, on est conquéré par. Par contre, les bandits continuent à spawner, ça c'est le problème. Après, dans Far Cry. Allez, on se les fait. Oh putain. Ouais, je ne l'attends même pas là. Excusez-moi des petits problèmes là où je m'en vais. Je reviens plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est pas le meilleur jour pour filmer.
même, il tape du 40. Il est où le truc? Tape du 40. Tape du 16. Je vais peut-être me le garder par rapport à l'autre. Même si j'aime bien la couleur de l'autre, en fait, c'est surtout la couleur qui me... Ah, c'est une arme niveau 10 à côté. Niveau 10, niveau 7. Ouais, les armes en dessous de niveau 10, je crois que je vais les retirer directement. Il y a mon sniper que j'aime bien, qui tape du 80. Ah, il est niveau 4. Je vais voir un peu comment je gère. D'un côté, il tape du combien mon sniper? Ah, il tape du 70. Donc j'étais où là? Donc les bouffons ils m'agressent. Ça fait perdre la... Oh merde. C'est derrière la maison. Je vais peut-être passer par la maison. Il y a vraiment des trucs partout à prendre. Plus d'autres boîtes. Alors, je sais même. J'appuie toujours sur M, c'est plus simple après de se repérer. Ah cool, j'ai terminé les deux missions, ça va être sympa ça. Elle est où ma voiture? Non, pas les piafs. Je dois les contourner. Je dois contourner les piafs. En fait, toutes les missions se trouvent au même endroit, quoi. C'est plus pratique d'un côté. Évite de faire des allers-retours. D'accord, tu peux faire plusieurs missions en même temps. Je pensais que c'était une mission, t'en faisais une autre, ça te rebootait celle que t'avais commencé. Je vais peut-être me reprendre une voiture parce que ça commence à être long là. La marche à pied. Par contre, la sirène quand elle court, oh, le bruit monstre qu'elle fait, c'est. Ah, ah oui, ah. Là, tu demandes ce qu'elle est en train de faire en même temps. Hein. J'ai pas osé mettre la troisième personne comme vue parce que ça m'a fait peur. Le mec, ça va encore, on l'entend pas trop, mais la gronzesse. J'ai l'impression d'entendre une meuf en train de jouer là, toutes les 3 minutes. Là. Ah! Là? Bouton E. Putain,
faut aller au rapport où? C'est pas lui? Vous avez complété ma mission. Ici Scooter, et ça, c'est mes autologues. J'hésite encore. Ah oui, il y a encore. L'arche existe. Ah super, il y a un endroit où on peut mettre des bagnoles. Ah. Je peux pas prendre là. Ah ouais, je suis plein. Attends. Je comprends pas ce qu'il faut réellement faire. Nana, allez à Séphir, Nana, clé du portail de la mine. Donc vous éjectez Sage de Estomine, ça vous regarde et je dois être. C'est ce qu'il faut faire? Fermer les portes? C'est peut-être ça, hein? T'as les clés des portes, peut-être qu'il fallait pas les ouvrir. Ok, c'est là-bas que je dois aller. Oh merde, j'ai encore égaré ma voiture. Oh, fais chier. Égaré, elle est où? Là-bas. Thank you.
Attendez, les amis, je vérifie quelque chose. Je m'excuse réellement pour les petits problèmes, style je me retire, je reviens, parce qu'aujourd'hui c'était vraiment une journée de merde, je sais pas pourquoi. Je dis, je vais filmer aujourd'hui, voilà. Donc je m'excuse réellement. Table du 15 fois 1 d'électricité. C'est quoi ça? Bon, je sais pas. Une arme violette, ça, contrairement à l'autre, je sais pas si elle vaut le coup. Elle a une meilleure cadence de tir. Peut-être la garder, contrairement à l'autre, elle a pas. Qui a une cadence de tir assez pourrie. Ouais. Je vais me garder que le bordel là. Que, franchement j'excuse parce que j'ai remarqué que là ça saccade complètement la vidéo à chaque fois je me barre tout ça ça fait vraiment je suis vraiment désolé hein. Récupérer non c'est pas ça ce que je voulais faire. Bah, faut quand même être niveau 14, peut-être que je vais me faire de... Écraser des ennemis avec le baroudeur, ça c'est mortel. J'aime bien. Ça fait un. De deux. Allez, Gus. Passez sous la voiture. Mission énorme. Tu dois écraser les gens. Tant qu'on me plie, écrase les gens. Ah mais ça les one-shoot hein. Alors, encore trois personnes à écraser. Je deviendrai
un dangereux de la route, quoi. Ah, ce que j'aime avec les SCAC, c'est qu'ils viennent à moi pour passer sous la roue. Pas que je me gourde de chemin, là. J'aimerais ne pas me gourer de chemin. D'accord, c'est au panneau des quêtes. T'as l'impression que la voiture est quand même un petit peu automatique sur les bords. Je sais pas si c'est une impression. Ah, c'est là-bas. Donc je retrouve mon chemin. Et j'ai une petite impression que la voiture est automatique un peu. C'est peut-être une impression, mais quand on recule, elle sait un peu se dégager, quoi. Je sais pas. C'est peut-être une impression mauvaise que j'ai. Moi, je suis spécialisé dans les snipers, je m'en fous, j'ai une sulfate. Elle a rien à foutre. Enfin, un petit peu des quêtes secondaires. Et c'est un RPG, un côté. Récupérer sniper rafle. Quel nom de ça? C'est ça? Ouh. Faire dur les quêtes là. Le problème, c'est que c'est niveau 14 de difficulté, j'aimerais bien faire des niveaux 12 d'abord. Lever le rideau. C'est pour niveau 12, ça devrait aller. Après, je ferai la quête level 14 parce que si je commence à faire les grosses quêtes. C'est pas que je suis un peu une tapette, mais. Ce qu'on m'a dit. C'est que vaut mieux être un petit peu quand même assez level par rapport à la quête, quoi. Pour l'instant, j'ai géré en étant juste un niveau en dessous de toutes les quêtes à chaque fois. Sympa les petites promenades en voiture, c'est pas méchant du tout. Je trouve ça super sympathique. Que le jeu offre une possibilité comme ça. Je crois que j'en avais entendu parler, mais je pensais pas que ça existait, le bordel là. C'était un mythe. Je me demande si les SCAG ils font des dégâts à la voiture. Oh bah moi je vous écrase. Hein. J'ai pas envie de rouler pendant que vous soyez là. Ouh là j'ai l'impression de voir un gros SCAG. SCAG crasher là. C'est quoi ce gros truc? Un SCAG alpha. Ah, il n'y a plus d'alpha, c'est moi l'alpha, bande de bouffons. Bon, peut-être que je peux pas. Je vais pas me faire chier si j'arrive pas. Alors. J'espère qu'il n'y a pas trop de méchants ici, que ça va pas partir en couille à la volée.
Oui, oui. Ah, j'ai cru que c'était une tête sur une tête. J'en ai un bouclier qui est plutôt gros, donc je pense pas que je vais le changer. Donc, je vais voir où faut aller. Ronde de envie. Ça a l'air d'être dangereux là-dedans. C'est méchant. J'ai dégommé tout à l'heure. Ah, dans ton cul. Ah, il reste plus que le gros et moi. C'est toi qui veux mourir, sale con. Ah, il brûle pas. J'ai pourtant... C'était pas de la tapette, hein. Mais je suis tellement fort. Ah, j'ai un nouveau bouclier. La difficulté 15. Alors... Je vais changer mon bouclier. Entre l'autre. Et... Ah, c'est vrai que mon kikui est niveau 5. Je vais augmenter ma précision. Là, donc je me casse de cet endroit. Moi qui pensais que c'était un coin de bandit ou un truc, en fait c'est une arène. Super sympa. De quoi se faire XP un peu de temps en temps. Ouais, ou plutôt je vais descendre. Donc je suis là. Ouais, il reste à peine une seconde de vidéo ou un truc. Une minute de vidéo.
Donc je vous fais un gros au revoir, voilà. Je suis quand même niveau 12. En plein d'épisodes, je trouve que les... Tellement que le jeu, on y rentre dedans, on fait pas trop attention au niveau. Mais tu vois directement la différence quand t'étais niveau 1 et après niveau 12. Hein. Alors franchement, le jeu, il vaut le coup d'être acheté, d'être joué. Alors continue à me regarder, continue à faire des gemmes, j'adore ça. Alors au revoir à tous, gros bisous à tous. Et pour la prochaine vidéo qui sortira très bientôt. Salut les amis!